Now, for our first session, we're going to try something new. We have a guest speaker from Mali who will be speaking in French and will attempt real-time translation by Benoît. We don't know how this will work out. It's an experimental feature. And with feature, I mean Benoît. So I would invite you to give them a warm applause and welcome them. Hi, everybody. I'm Astou Nathalie Sidibé from OpenStreetMap Mali. First, I would like to let you know that my English is not perfect. That's why Benoît is here to translate it in French, to translate it in English. I will speak French, and he will translate it in English. So I'm from Mali. Je suis du Mali, donc peut-être qu'il y a beaucoup de monde ici qui n'ont peut-être pas entendu parler du Mali. Maybe you don't voilà. know exactly donc, all about Mali. Voilà. Donc Mali est un pays de l'Afrique de l'Ouest. It's a West African country. Voilà. Donc lorsque vous prenez la carte de l'Afrique, in the le Mali, map il Africa, se trouve là. There is Mali. Voilà. Puisque j'ai rencontré des personnes qui connaissent pas, qui savaient pas où se trouve le Mali sur la carte de l'Afrique. Yeah, strangely, some people don't know about Mali in this place. Donc au Mali, nous avons huit grandes villes. So in Mali, there is eight big oui. cities. Comme vous pouvez les voir ici sur la carte. And so in this map with the regions. Alors, donc, en mars 2012, cette grande partie du Mali que vous voyez en zone, cette partie est tombée sous le contrôle des djihadistes et des indépendantistes. So, all, as you can read, all the big yellow part in North Mali was controlled by djihadists and other armed groups from March 2012. Et en même temps, cette partie était sous contrôle des putschistes. Donc, il y a eu un coup d'État. Donc, les putschistes étaient en contrôle de cette zone et la grande partie était sous contrôle djihadiste. So, and the other part was under control after a coup d'État by putschistes, all the southern part of Mali. Alors, donc, cette partie en jaune ici, c'est Bamako, c'est la capitale du Mali. So Bamako, the capital city. C'est une toute petite ville par rapport aux autres grandes villes. It's not even the biggest city. The other cities around in Mali are bigger. Alors donc, voici la communauté OpenStreetMap du Mali. Oh, this is a picture of the community OpenStreetMap in Mali. Donc, nous sommes des jeunes volontaires qui mappent pour le Mali et qui mappent pour le monde. So, a team of young volunteers doing mapping in Mali and all over the world. Alors, donc, nous, au Mali, on a entendu parler de OpenStreetMap, du projet OpenStreetMap en décembre 2014. So it all started, they heard for the first time about the project OpenStreetMap in 2014, December. Donc après deux semaines de formation en OpenStreetMap et en sigle libre, on a créé la communauté OpenStreetMap du Mali. So they received a training, 2 weeks training in OpenStreetMap and general GIS stuff. Oh, that's a good translation. And after 2 weeks, they were ready to form the community. Alors, donc, notre première activité après la création de la communauté, on a décidé d'aller collecter les données des centres de santé, des pharmacies et des hôpitaux dans une grande ville de Bamako. So the first focus was to collect data about pharmacies, hospitals, and health centers in one sub-area of Bamako.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça c'était lors des collectes sur le terrain. Donc, on a pris quelques images. So this is a picture of the real collecting survey. Alors, donc ici, ça c'était une autre activité de collecte des données dans une autre zone de Bamako qu'on appelle ACI 2000. So another area of the city called ACI 2000, ACI 2000, and what? Oui, ACI 2000 qu'on appelle. Oui, ACI 2000. ACI 2000. Oui. Donc après nos activités depuis janvier 2015 à maintenant, voici l'état actuel de la carte OpenStreetMap de la ville de Bamako. So after this work for 1 year, this is the status of the map of Bamako in 2015. Ça c'est l'état actuel de la carte d'une autre ville dans laquelle on intervient. And this is another city they have been active on, and so this is also the current status of OpenStreetMap data there. Donc ça c'est une troisième ville dans laquelle on intervient également pour la collecte et puis pour le mapping à distance. And then a third city where they have been doing the survey and remote mapping. Donc après nos collectes de données, on se sert de ces données-là pour faire des cartes à partir de UMAP, OpenStreetMap. Donc ça, c'est la carte des pharmacies de Bamako. And they are using the data from the survey and from all the mapping to get thematic maps. An example here, directly on UMAP with the pharmacies in Bamako. Ça, c'est dans les cartes, la carte des écoles de la ville de Bamako. And another example with the schools in Bamako from the same data. Alors, dans notre communauté OpenStreetMap du Mali, on organise des réunions hebdomadaires. Donc, ces réunions hebdomadaires nous permettent de parler, de planifier d'activités prochaines. And they are planning monthly, weekly meetings, yeah. And they use them to make some plans for next steps. Quelques images de nos rencontres hebdomadaires ici. These are the weekly meetings. Oui. Alors donc. Après nos activités de collecte et de mapping à distance, nous avons pris part aussi à 4 missions de renforcement des capacités l'année dernière à Ouaga, à Bouaké et à Lomé, grâce au projet Espace OpenStreetMap francophone. They have been under further trainings last year in several cities in different countries like Lomé, Bouaké, and this was done through the project Espace OpenStreetMap Francophone. Ça, ce sont quelques images de la mission de renforcement des capacités à Ouaga en 2015. So this is this meeting for training where they have been building skills on OSM and GIS. Ensuite, on a été à Bouaké pour trois semaines de renforcement des capacités. That's the 3-week training in Bouaké. Et à Lomé cette fois-ci en novembre 2015. And the last one in Lomé in November. Alors, on a pris également part à la journée internationale des SIG au Mali l'année dernière en novembre 2015.
they got involved in a bigger meeting, the International Geographical Information System Day in Bamako. Donc, nous faisons la promotion de OpenStreetMap à Bamako et dans toutes les villes du Mali et auprès des organismes gouvernementaux aussi. Alors, donc, c'est pour ce faire qu'on a pris contact avec l'Université de Bamako, le département de géographie de Bamako. Donc, nous sommes ici sur cette image avec les responsables de ces départements. They are promoting the OpenStreetMap project in Bamako and in whole Mali, and they have been getting contacts in the universities and geography departments, and this is a picture of this meeting. Donc ici nous sommes avec les étudiants de géographie auxquels on a planifié des ateliers. On a déjà fait deux semaines de formation avec eux, donc on continue. And so this is now the OpenStreetMap Mali team giving training to the students in the geography department of the Bamako University. Ça, c'est le premier atelier qu'on a fait au profit des étudiants. Nous sommes avec eux comme ça, quelque part à Bamako, puisqu'on n'a pas de local fixe. No, they don't have a fixed place, so they took the students in random places in Bamako to run the workshops. Ici, nous sommes dans le campus numérique francophone à Bamako, avec les étudiants de géographie. Ça, c'était le deuxième atelier OSM, à leur profit. So, a picture of the second workshop that could happen in a special place, which is a digital campus in Bamako. Donc, OpenStreetMap Mali ne se limite pas aux formations au profit d'étudiants, mais nous formons également des professionnels qui travaillent dans le domaine du SIG. Donc ici, nous sommes avec les professionnels d'un projet. On a passé 5 jours d'atelier OpenStreetMap et SIG avec eux. OpenStreetMap Mali is also giving trainings not only to students but also to the GIS professional of the country. And this is an end-on workshop they have been doing. Ici, nous sommes, c'était en août dernier. Nous étions à Ségou, c'est une autre grande ville du Mali, avec une toute nouvelle université. Donc, on a pris contact avec les former des étudiants en informatique à OpenStreetMap et un SIG libre aussi. And so this is an outreach to another university in another big city in Mali, where they have made contact with another department, and they gave the same kind of trainings. Nous formons également des leaders et membres d'associations de jeunes qui œuvrent dans les TIC. They are also giving some trainings for young leaders in different kind of association that focus on IT and new technology. Alors donc depuis février 2016 nous gagnons aussi le support, le soutien d'un gars de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est volontaire international de la francophonie. Il est expert en SIG, donc nous bénéficions de son expertise en OpenStreetMap et en SIG libre. So they want to mention the support from a volunteer from l'Organisation internationale de la francophonie, which is giving them again, a lot of support on GIS and related skills. Ici, nous sommes avec le volontaire international. Il nous apprend comment manager les médias sociaux.
So there is also some trainings for management of social media with these international volunteers. Et si nous, il nous apprend à sur les applications de collecte des données telles que le GPS test et OSM tracker. With mobile application like OSM tracker and GPS test, they are doing calibration and training to make better data collection. Également un deuxième atelier sur les applications, toujours. And another workshop for more mobile applications. Alors, donc, nous organisons également des mappathons pendant lesquels nous mappons et nous passons de bons moments ensemble. So, one of the good times is during mappathons. Ici, nous sommes dans le local de BTC Bamako, qui nous donne accès à son local deux samedis sur deux pour aller mapper avec un accès à l'internet. So they have regular access to a room with internet at the Belgian Development Agency. Alors donc nous mappons également dans les endroits comme les parcs, les restaurants. Ici nous sommes dans le parc national de Bamako. And they are also doing this mappathon mapping on other locations, like for example in a national park here. Ici, nous nous trouvions dans un restaurant de Bamako. Yeah, they are taking good time also mapping in restaurants. Alors donc pour vous démontrer qu'on n'a pas de local fixe, on n'a pas d'accès internet facile, donc du coup. On se promène partout et pour mapper. I hope you get the picture. She hopes that you get the picture that's without any fixed place and any constant internet access. They just have to hop from place to place where they can map. Alors donc, nous avons des actions futures. C'est de nous faire connaître auprès du gouvernement du Mali, de nous faire connaître auprès du gouvernement du Mali pour qu'ils voient les actions qu'on mène en tant que volontaires. So they want to gain further visibility, mostly to make the country government aware of what they are doing just as volunteers. Et également de faire impliquer plus de femmes et de jeunes femmes dans OpenStreetMap Mali. Another objective is to get more girls and women involved in the community. Et nous entendons aussi faire des applications sur les pharmacies, les centres de santé et les restaurants à partir de nos données collectées. They want to turn the data on health centers and pharmacies and even restaurants into mobile applications. Et aussi de collecter les données dans toutes les grandes villes du Mali. And they have more work to do in all the remaining big cities in Mali. Alors, donc d'organiser des camps aussi, des camps de cartopartie à Bamako et en dehors de Bamako. And another action would be to organize the camps dedicated to mapping in Bamako and in the other cities or outside Bamako. Et aussi de promouvoir cet outil d'orientation de la convention de Henri Coel. And they want also to get involved with the orientation convention. Nous avons également des défis qui sont le manque d'un endroit fixe pour nous permettre de se retrouver plus et d'œuvrer plus dans OpenStreetMap.
Yeah, as a reminder, the most difficult thing for the own community is the lack of a working place. Nous manquons également d'équipement qui peut nous faciliter dans la promotion d'OpenStreetMap. Par exemple, lorsqu'on a commencé à former les étudiants, il y avait des étudiants en géographie qui n'avaient jamais touché un GPS. They also need basic equipment, and a striking example is that some of the university students in geography department never hold a GPS unit in their lives. Et des étudiants qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont jamais touché à un ordinateur. And also students there that just don't have a computer, never touched a computer anytime. Voilà. Donc nous avons besoin d'équipement pour relever ces défis. Ensuite, on a un autre grand souci qui est l'accès à l'internet. Et l'accès à l'internet au Mali, l'accès, la qualité de l'internet au Mali, c'est très coûteux. Et c'est plus, ça coûte plus que de la nourriture, l'internet, l'accès à l'internet. Alors donc, pour des mappeurs numériques, vous voyez comment on travaille dans la difficulté. The difficulty to access internet in Mali is such that the cost is very significant compared to food or other basic stuff. So it makes the work very difficult for people that rely on digital mapping to make advancement. Alors donc nous peinons aussi à faire venir beaucoup de femmes et de jeunes femmes. Dû au facteur de violences basées sur les genres. Au Mali, le Mali c'est un pays à majorité musulmane et c'est un pays dans lequel les femmes ont du mal à prendre le devant de la scène. Moi qui ai fait avec OpenStreetMap, je sais dans quelles difficultés je me trouve et je sais dans toutes les difficultés auxquelles je fais face. Donc, tous ces facteurs font que les jeunes femmes et les filles, ils veulent pas aller dans OpenStreetMap. Ils veulent pas aussi aller dans les organismes pour se faire entendre. It's difficult to attract girls and young women in any actions, and in particular in OpenStreetMap Mali. Mali is a rather conservative and Muslim country, and it's not in the habits for girls and young women to get in the forefront and took action by themselves. Alors donc nous avons des partenaires comme qui nous aident dans nos travaux, qui nous donnent accès souvent à l'aire locale avec accès à l'internet, qui sont voilà, il y a le projet OpenStreetMap francophone qui nous donne gratuitement, qui nous fait bénéficier de ces formations. Il y a une ONG qui nous donne accès libre à son local de temps en temps. Il y a Donilab, il y a BTC Bamako aussi. Voilà. So this is a list of the partners that they would like to thank. If I try a rude translation. So there is the project, the association. This is Espace OpenStreetMap Francophone is pretty obvious. The second one is an association in Mali for sustainable development, and there are other there are more associations helping them, and also some kind of government agency. Alors donc, vous pouvez retrouver OpenStreetMap sur son contact ici, sur le site Twitter et sur Wikipédia. This is their contact. You can have them on email or Twitter.
Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Thank you, Nathalie, and thank you, Benoît, for the translation. Are there any questions from the audience? It's great to see the map that you've done and the pictures of all the people mapping and for us, for me, and I guess for us to see what's happening in Mali. So thank you for coming and sharing with that. I'm wondering, so the people out there in Mali that are doing mapping, do they feel part of the international OpenStreetMap community? And is there anything we could do either now or online to help them feel part and realise, show them that they're part of a better thing, and we're really interested in what they're doing as much as other talks we've heard. So, a big thank you for coming and showing what you have done in French. In French. Non, il te remercie pour ce que tu as montré, venu et d'expliquer. So, I can't. Il t'a remercié pour d'être venu et d'avoir montré ce que vous faisiez, ce que vous mappez, les cartes que vous réalisez et l'association. Et il demande si vous avez l'impression de faire partie de la communauté internationale, si vous vous sentez comme faisant vraiment partie prenante du projet global. Et dans une seconde question, qu'est-ce qui pourrait faire le projet global, la fondation OpenStreetMap, pour vous aider dans vos pays. Alors si je me sens dans la communauté globale OpenStreetMap. Oui. Yeah, she feels a part of the je global community. Concernant ce que peut faire la communauté OSM globale pour nous, comme je l'ai eu à le dire, nous manquons d'équipement. Et pour faire les formations, comme je l'ai eu à le dire, il y a nos étudiants, ceux qui ont étudié, les étudiants en géographie, qui n'ont jamais touché à un GPS, qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Donc, et vous savez que les formations OpenStreetMap, il faut quand même au préalable avoir un ordinateur. Donc si nous pouvons avoir des équipements à nous, même si on n'a pas de local fixe, on peut quand même de temps en temps avoir un local et on équipe ces locaux là et puis on fait appel aux étudiants, on les forme. So the most urgent need for them is equipment, and they would like to get some GPS units to give to the GIS students, and that's the kind of thing that they maybe could have from outside. And then there is the trouble locally to find some fixed place to run regular meetings. Parce que même l'université, il nous donne aussi également accès à son local, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'équipement. Donc chaque fois qu'on organise les ateliers de formation, il faut qu'on court de gauche à droite pour aller chercher des équipements, louer des équipements avec des personnes et ensuite aller les rendre. Donc vous voyez comment ça fait. Even when they get a proper room within the university, it's always to organize a workshop or a training. It's always a race to get on to rent equipment, and they have to do it every time, each time, and it's very time consuming and taking a lot of energy just to prepare. Merci beaucoup, vraiment c'est formidable. Je connais Mali bien et je sais que c'est quelque chose que vous avez commencé. Et j'ai une question. I am wondering,
Who in Mali is using the data that you all are creating? Ah, oui, j'ai compris. Alors, actuellement, nous servons de ces données nous-mêmes. Parce que le gouvernement, il n'est pas en connaissance de notre existence. Donc, ça fait partie de nos activités futures, ça fait... Oui. Et à partir de maintenant, on a même commencé, parce qu'on a commencé avec les responsables de l'université, qui font également partie des responsables du gouvernement. Voilà. Donc, on est en train de démarcher le gouvernement pour qu'ils sachent qu'on existe et pour qu'ils chassent tout ce qu'on peut leur offrir en termes de données et gratuitement. Oui, il y a des ONG qui pourront bien en avoir besoin. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'ONG qui nous a démarché. Je peux ajouter quelque chose? J'ai travaillé au Mali une année et je faisais partie aussi de la communauté OpenStreetMap entre-temps. Et moi, je peux vous bien dire que les ONG, la communauté internationale, UN OCHA, le World Food Programme, ils utilisent tout les données d'OpenStreetMap. Ils sont super contents que la communauté travaille. Ils sont peut-être pas en direct contact toujours avec eux, mais ils utilisent les données. C'est vraiment la source des données. La source des données. Voilà. Donc, un grand bravo pour la communauté qui fait un super bon travail. I'm going to try to wrap that up. You get the question in English, I guess. The answer was they are looking for the government to put all this data in use, and they hope that they can manage because going with the university is one step toward going through the government. They are working for the government in Mali, so it's maybe easier then. Apart from that, they want to use the data by themselves, but they don't recognize exactly any other use that they know of directly. And then Yolike, who went to Mali, can vouch that the data is put into real use by any organizations that know OpenStreetMaps already and that regularly use OpenStreetMap data, like the World Food Programme or UN OCHA, and that any data that is being collected in Mali is already used by other organizations. Okay, thank you very much for contributions. Thank you so much, Astu Nathalie. Thank you very much, Benoit, for the translation. If you have any more questions for Astu Nathalie, feel free to ask them afterwards. I'm afraid we're running out of time, so we have to proceed to the next question. Please give them another applause and a warm thanks.